Et on est de retour. On continue notre petite investigation dans le monde de Nerud. On est à la recherche du dernier, de la dernière relique qui me manque pour avoir l'Archon. Ok, wouf wouf. Mais bon. On va combattre quoi là? Des robots, c'est ça? Ouais, on va rester aux lance-grenades et aux fusils-pompe, ça passe. Je pense que ça passe. On va faire plus piou. Je suis en train de tuer mon chien. Attendez, je vais tuer le chien. Ouais. Pardon. Yeah. Ah oui, je vais pas changer. Il fait quoi le premier truc du chien? Vos dégâts de... et des talents et à distance ont augmenté de 300 parce que notre compagnon est actif et se trouve à moins de 40 mètres de vous. Je vais augmenter... Ah ouais, c'est pas très très chien friendly hein, ici. Enfin, avec mes armes, on va dire. On va directement descendre. On va avoir un mini boss, là, enfin un gros truc qui va se bloquer comme d'habitude dans le cercle. Ah, dernier pour une fois. Putain, merde. J'ai rien dit, j'ai rien dit. C'est bloqué. La plupart du temps, il se bloque. Et là, il s'est pas bloqué. J'ai rien dit. Très bien. Là, on a l'anneau de variable constante. J'aime bien ce build d'explosion, c'est marrant. Si on testait un peu corrosion. Pourquoi pas faire des tirs d'acide un peu pour changer. Parce que électrique c'est sympa mais... Ça m'inspire pas confiance. Je peux réanimer le chien ou pas? Merci. J'ai pas de munitions, c'est abusé. Bon, le chien, désolé, mais... Il me stresse quand il fait ça. Mon dieu, ça a changé. What? What?
Alors, j'ai vu que le machin, il était un peu en dehors de la zone, mais... J'ai vu qu'il était un peu en dehors de l'arène, mais il est mort. Ou alors il y a un truc et une technique qu'on va dans l'inventaire, genre il disparaît. C'est quoi cette merde ? Ouais, mais ça m'a coupé le... Ça m'a coupé même le fait d'utiliser des munitions. Très bizarre. Et ouais, c'est comme ça quand on fait des mises à jour pour nerfer au lieu de fixer le jeu. Parce qu'il y a quelques petits bugs. Hein. Des fois, ça peut être un peu frustrant quand on a la malchance qui s'accumule un peu. L'utiliser, c'est pas grave. Je vais juste un peu tester. Pas mal. Ah oui, j'ai ça aussi. Je vais voir. Putain, il y a trop d'objets. C'est une catastrophe maintenant. Ça, oui, munitions. Vas-y, fais voir. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu plongée 20, réduction. Réduction à durée des consommables de 20%. Réduction de durée des consommables. Putain. C'est un malus. Merde. C'est un malus. J'aime bien la grenade, elle lui passe en dessous des... entre les jambes. Attends, c'est toi qui viens de me toucher ? J'ai belle. Ça a l'air de faire des bons dégâts, hein, la cible. Ça. Parfait, plus 4. Surtout pour ça que je joue. J'ai vu, il y a des gens qui ont déjà tout au max. Et tout ça. Et quand tu regardes, ah, moi j'ai fait une exploitation où je fais un boss en boucle en apocalypse. Et du coup, il me donne tout le temps des les pierres là. Ça. Hein. Ça, en au maximum. Ok, super. Cool. Putain. Ça fait plaisir, quoi. Un peu trop d'exploitation dans le jeu. Il y a un truc en dessous de nous ou pas ? Oh, par contre, il y a ça. Ah, par contre, j'ai rien pour les ZAD. Là, c'est pas bon. Là. Les petits ZAD, là, les petits drones.
Ah, mais il est mort de dot, putain. Eh, c'est pas mal les dots. Hein. Il était temps que ça s'arrête. Il est mort de dot, mais ça fait méga mal le corrosion. Bon, après, c'est des machines en théorie. Ce qui est embêtant, c'est que moi j'ai le réflexe de. Le réflexe RPG, et je sais pas si le jeu fonctionne de la même façon. Genre, pour moi, corrosion, ça serait pour les machines. Comme la foudre et tout ça, c'est contre les machines. Le feu, ça serait contre les animaux et tout ça. Le saignement, bah moi, faire saigner une machine, pour moi, je dis what the fuck, quoi, tu vois. Mais bon, là, non. Ouais, non, le dot, hein, c'est... moi, j'aime bien le dot. J'aime bien Dot, j'aime bien jouer Dot. Faut que je regarde la corrosion, combien de temps elle reste. Normalement ils te disent 20 secondes, mais c'est vraiment 20 secondes parce que l'autre ça reste. L'électrique ça restait 30 secondes. Oh là, ce bruit à chaque fois. Très bien vu. Ah, esprit. Ouais, ben bon. Ça fait des bons dégâts, 30. Ah, peut-être que. Peut-être que corrosion fait... est mieux en dégâts de dot. 1125. Normalement, je devrais le voir sans problème, mais il devrait nous le dire 1125. Ouais, le truc là, c'est que ça fait des comment dire. Vous savez, ça fait surcharge. C'est pas pareil. Ça fait surcharge, c'est pas la même chose. Donc à la limite, c'est mieux d'avoir un dot de corrosion, je dirais. De vrai dot, en fait. À la limite, si on fait que du dot, faudrait réutiliser l'amulette, là, pour les malus. Mais bon, lance-grenade. Moi, j'aime bien. J'adore ce lance-grenade. Ok, ça va être le boss. Ah non, c'est pas le spectre. Non, c'est le robot. Alors, attends. C'est le robot. Alors, il y avait un truc que j'utilisais qui était pas mal. Je pense qu'on va pas le faire là. Bon, ça par contre, honnêtement, on va voir si c'est utile, mais ça m'étonnerait. C'est ça contre le robot. Enfin, déploie une barrière, en fait, qui... protège des projectiles. Et quand on a une arme à fond, si on met sur une arme qui est augmentée au maximum, c'est 1000 de dégâts subis. Donc c'est vraiment pratique. Et ça se recharge super vite, c'est à peine 500 de mode. Et ça bloque énormément de choses. On va essayer 100, et on va essayer avec le chien. Je promets rien, on va sûrement devoir changer. Explorateur, c'est nul, honnêtement, en combat. Quand vous êtes solo. En équipe, ça peut être pas mal, puisque vous mettez des geysers et tout ça, mais au final, c'est de la merde. C'est pas assez... Il n'y a pas assez de pratique en fait. Explorateur seul, c'est pas intéressant. Faudrait explorateur avec, je sais pas, avec soin ou un truc, ou autre chose, j'en sais rien. Allez, c'est parti. Ouais, c'est lui. Ah, j'ai pas de d'AOE pour les créatures, les robots là. Petit robot. Écoute.
Le chien, il est à terre. Ouais, non, mais là, il nous faut... Non, il nous faut énigme. Non, il nous faut énigme. Il nous faut complètement énigme, hein, comme d'hab. Là, il n'y a rien à dire. Pour des trucs comme ça, en solo, laisse tomber. C'est énigme, il n'y a pas autre chose. Ou alors des AOE, des modes AOE, mais... on fait... Ah, on va faire ça. Là, il nous faut énigme à cause des ZAD. Ou alors, vous savez, l'impulsion là que vous pouvez récupérer au tout début du jeu. L'impulsion pour les trucs, ça les one-shot, je crois. D'accord, putain de merde. Allez, c'est bon, on chante. Ça sert à rien les geysers. J'essayais de me remettre dans le geyser, ça sert à rien. Oh, c'est fatigant. Allez, médecin, on va prendre la tourelle, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut prendre? J'ai envie de prendre tourelle. points, mais après il faut les remettre ailleurs, c'est relou ce système. Pas grave. Tout ça pourrait être arrangé avec des builds, hein, avec des presets. Tout ça pourrait être complètement arrangé avec des presets. Les gars, que ça fait, c'est merde. On va rester en... Si, on va rester là. Yeah.
Oh la vache. Je crois qu'on avait notre... Notre cœur encore actif en fait. Ah oui. Ah non, le tir, j'avais oublié. Ah, j'avais oublié ça.
Et ben voilà. Dans ta gueule. Dans ta gueule. J'ai fait des petits tests avec les différentes classes archetypes. J'ai mis Envahisseur en deuxième avec mélangé à médecin. C'est pas mal. L'habilité par contre elle met trop de temps à revenir. Je suis pas en fait stuffé pour le retour d'habilité. Du coup c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que ça aide d'esquiver. Surtout que ça fait un double. Ça crée un double, donc ça aide beaucoup, j'ai remarqué. Je voulais voir en fait si ça fonctionnait bien sur les boss. Et ouais, ça fonctionne bien. Ça fonctionne pas si mal. Voilà. Donc ouais, on va remettre le chien. On va remettre l'explorateur. Faut pas se mettre. Et à chaque fois, je sais. Vitalité 2 et après j'en ai 5, normalement c'est médecin. Ok cool. C'est trop bizarre ce système là de couverture. Ça doit forcément servir à quelque chose. Très bien. Donc techniquement, là, on a les trois clés. On peut aller faire le boss, je crois bien. Il nous faudrait la clé pour Overwrite, là, je sais pas quoi, là. Pour, merde. Pour hacker le machin, le boss, en fait. Mais il faut pas l'utiliser. Il faut la donner, vous savez, à la... Comme j'avais dit, à la... à la toile d'araignée dans le somme pour avoir une nouvelle relique. Donc ouais, on pourrait faire ça. Putain, au final j'ai même pas monté beaucoup le chien hein, parce que vu que j'arrête pas, enfin on a un peu foncé, on a fait boss sur boss du coup énigme hein, qui reste toujours très très intéressante hein, quand il y a des hads. Même après le nerf. Hein. Même après le nerf, ça reste une arme qu'il vous faut limite absolument. Hein. Qu'il vous faut absolument. Bien, vous voilà à destination. Avancez vers l'ascenseur. Une fois que vous aurez éteint le réacteur, je pourrai en prendre le contrôle et sauver Nerud. Ok, très bien. Ah, il va nous raconter sa vie. Ouais, mais du coup, ouais, ben, on repasse médecin. Et pendant des millénaires, les Drizir ont alors là, il va faire une question très simple. Sommes-nous seuls dans on l'univers? On va faire ingénieur. Nerud a été construit pour répondre à cette question. J'ai été construit pour m'occuper de Nerud. Tal'Rata a mené Nerud à travers les courants de l'espace et du temps jusqu'à l'origine de tout, de l'énergie, sous toutes ses formes. L'anomalie était unique en tout point. Sa taille massive. Genre l'énergie, améliore la régénération d'énergie. Il n'était que chaos, et pourtant, semblait gouverné par un dessein intelligent. Tal'Rata mit les trackers en garde. Même s'il avait guidé Nerud jusqu'aux portes du paradis, il refusait d'y pénétrer. Mais Tal'Rata fut renversé. Ça, on va... Les trackers virent en Alepsis Thora la fin de leur si longue quête. Une réponse à toutes leurs questions. Et me voilà seul. Le sort de Nerud
de tous les je sais pas quoi mettre en deuxième. Dépend de moi. Bah, truc électrique, ouais, ou alors ça, corrosion acide aussi, c'est pas mal. Mais honnêtement, alors, y a des, le lance-flamme et corrosion acide, leur portail est pourri, c'est ça qui fait chier. Par contre, les modes sont bien. Ouais, on va prendre ça. En plus, ça, c'est parce que même si la portée est pas top, parce que c'est un arc électrique, quoi, bah, du coup, vous avez quand même les pics, hein. Les générateurs de chaos, hein, c'est vachement bien de les balancer, ils reviennent super vite. Ouais, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Je veux pas dire, hein, mais... Enigme, elle est bien sur tout point de vue. Hein. Alors, du coup... Alors là, on a deux façons de faire vous le boss. Vous avez atteint le réacteur. Si vous avez ça, utilisez la console pour l'éteindre. C'est pour récupérer son arme. Fait, je ça. Pourrais en obtenir l'accès et sauver Nerud. C'est ça. Et sinon, vous l'avez en normal. Donc nous, on va le faire en normal, on va dire. Parce qu'en fait, vous avez la version, on va dire, psychique, esprit. Et après, ça, c'est la version physique. Là, il va sortir de la boule et tout ça. Donc, nous, on doit faire ça, je crois bien. Si je dis pas de conneries. Merde, ok, bien. Enfin, les trucs qui réagissent pas, c'est top. Ok, cool. J'ai pas... Ouais, je voulais voir si j'avais le temps de me soigner. Je pensais que j'allais crever. Je vais garder la tourelle, la troisième tourelle, parce qu'elle reste longtemps. Ah, quoi que j'en sais rien, en fait. Je sais pas si je mets la tourelle 2, est-ce que ça, on va mettre du feu. Si on met du feu, ce serait bien, mais ça m'étonnerait. Drain est féroce. Oh, il a féroce. Non. Oh là là. Je crois que ça sert à rien là. Quoi? Ok. Ah, il fait méga mal, il a féroce. Ah, oh, putain, ça va me prendre un petit moment là.
moins, vous avez réussi. J'ai désormais accès au réacteur. Tout le peuple Drizir et moi-même vous sommes redevables. Donc, avec ce boss, il y a une sorte de glitch qui se produit parce que je suis mort deux fois, je crois, un truc comme ça. J'ai voulu tester d'autres combos en fait de classe. Au final, l'arme lourde Vulcain avec l'ingénieur est pas mal. Ça fait quand même pas mal de dégâts parce qu'elle cible. J'aime bien comme elle suit. Elle cible bien en fait ce que je veux. Donc ça c'est vraiment cool. Du coup elle ciblait bien la créature et tout ça. Donc ça c'est vraiment sympa. Mais ouais, quand on réapparaît en fait on a plus les effets. Ouais, vous voyez, j'ai plus les effets d'arc électrique. Y a pas mal d'effets en fait qui sautent. Et ça c'est pas la première fois en fait que j'ai ça. Ça va faire à chaque fois ce boss en fait. Si vous mourrez au moins une fois, vous avez une chance que certains effets sautent. Et pendant le boss pareil, il y a des coupures de son et tout ça. Donc ce boss a vraiment un petit problème par rapport à ça. Donc ouais, c'est un peu embêtant. C'est légèrement embêtant. Alors il y a ça. Donc maintenant il faudrait revenir au mec. C'est où ? Celui-là ? Okay. Faut qu'on aille. Faudrait trouver la comment ça s'appelle ? Le pin là, le truc là, la clé qu'on peut mettre dans l'ordinateur, il faudrait la trouver la clé. Comme ça je peux l'utiliser pour la toile d'araignée. J'ai fort à faire s'il vous reste des choses à faire sur Nerud, je vous recommande de vous y atteler sans plus attendre. Quant à votre récompense, maintenant partez. J'ai encore beaucoup à faire. Cool. Je crains ne plus à... Ça, je l'avais pas. C'est bien. Alors, vous gagnez 5% de réduction de dégâts subis pour chaque malus ou affliction que vous affectez. Qui vous affecte, pardon. Donc, ouais, on peut avoir un 20% si on a des malus. Ouais, c'est sympa, vite fait. Du coup, faudrait qu'on... Enfin, elle est là. Et il faut la deuxième clé en fait. Il faudrait la deuxième clé. Je vais peut-être pas l'utiliser parce que peut-être qu'on peut en faire autre chose. Je vais aller prendre ça là-bas. Ça fait de l'argent. Là. Et je crois que c'est tout. Ouais, du coup, si on met pas là. Là, nous, on a la version avec deux. Ça. Ouais, il en manque deux. Et du coup, il y a une arme en fait. Au deuxième. Donc, du coup, on doit avoir le train. Parce que c'est le train, le terminus. Où il y a une des piques là, à mettre. Ouais, ça doit être ça. Par contre, je voudrais bien ouais, récupérer la clé spéciale. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On la fait maintenant ou pas? Enfin, on la fait maintenant. Faut savoir où elle est déjà. C'est un peu chiant. C'est un peu gavant. Mais c'est un tout petit peu gavant en fait. De tourner comme ça. À la limite, je peux les faire de mon côté. J'en sais rien. Non, mais non, on a qu'à finir. Bon, peut-être pas dans cet épisode, mais on a qu'à finir ça en épisode. Parce que vu qu'on a fait que de l'apocalypse comme ça, pourquoi pas continuer. Mais ouais, là on est bon. Et normalement, dans 12 heures, on devrait avoir un autre endroit. Oups, pardon, c'est là. On devrait avoir un autre endroit. On devrait pouvoir aller.
aller ici. Ouais. Normalement. Mais ouais, on peut faire ça, ces trois là. Ça commence un peu à m'agacer de monter les classes, honnêtement. Ça prend trop de temps. Ça prend nettement trop de temps. Il faudrait mettre expérience plus centrée, tout ça. Mais bon, dans un sens, j'ai envie de jouer en apocalypse, oui. Parce que ça permet de récupérer des trucs comme ça, là. J'en ai des bons. Hein. J'en ai des parfaits 4 et tout ça. Donc c'est un peu fatigant au bout d'un moment. Alors, vous savez quoi? On va rentrer. On va s'arrêter là. Mais ouais, on va finir ça, là. L'épisode prochain. Là, on a fait deux boss d'un coup, ça suffit. On a fait deux boss, hein, ouais. En plus, c'est des gros boss de région, là, qui bloquent les régions. Ouais, il y a lui. Parce que lui, il me donne plus rien, de nouveau, et je suis en apocalypse. Salutations. Je m'appelle... Je vote. Donc, genre ça, là, j'ai plus de nouvelles choses, en fait. Donc du coup, je pense que lui, il m'a donné la limite. Oh, c'est très rare d'avoir du 4, du coup, j'imagine. Ouh, parfait. Ça a l'air d'être très rare, en fait. Ah, mythique. Résistance élémentaire. Ah, ça doit être le plus mythique, tu vois. Putain, on n'aurait pas pu avoir ça, là, ce que j'utilise moi. Merde. Mythique. Résistance aux dégâts élémentaires, 10%. Putain. Ouais, le plus 5, ça doit être le mythique, en fait, j'imagine. Ah là là, c'est bête, parce que j'utilise 3 bleus quand même. Hein. Ça aurait pu être un bleu. Saloperie. Bon, bah, du coup, j'ai rien dit. Il peut quand même vous donner les meilleurs. Mais ça a l'air d'être extrêmement rare. Le truc, c'est que c'est extrêmement rare. Il y a aussi une autre chose qu'il faut que je fasse... Enfin, il faut que j'attende. Alors apparemment, le fruit aussi. Alors là, je crois que là, on a un fruit comme ça. Céleste. On a la norme, on a le mur, on a le vieux. Et après, on a le céleste. Mais si on le laisse encore, je crois que ça... Alors, sur Internet, je crois qu'il disait 13 jours. Je crois qu'il disait 13 jours. Mais apparemment, ouais, on peut avoir une relique, en fait. Salut, t'as eu de la chance, non? Y a plus grand chose. Allez-y. Donc, du coup, bah, on va attendre. A plus. C'est un peu abusé, quand même. En tout cas, moi, je vais refaire mes traits, je vais refaire mes classes. Et, ouais, on se retrouvera plus tard, du coup. On continuera l'épisode prochain. Après, peut-être, je vais être honnête, j'ai quand même énormément d'équipement, j'ai quasiment tout ce qu'il me faut, enfin j'ai tout ce qu'il me faut honnêtement, mais je crois avoir trouvé genre peut-être 70%, 80% du jeu. On va faire donc la dernière zone, là. Donc normalement en théorie dans 12 heures je vais pouvoir avoir accès à une nouvelle zone qui va me permettre d'avoir une relique, et avec cette relique je pourrais aller récupérer Arco normalement. Donc on verra ça. Ah, peut-être que je le ferai en vidéo, mais voilà, il faut que j'attende 12 ans. En tout cas, ouais, on se retrouvera pour un prochain épisode, on finira le désert, et voilà. À la prochaine, ciao ciao.